votre voyage à travers le Cameroun, qu'est-ce qui vous a le plus? Vous êtes allé à l'ouest, vous êtes resté à Yaoundé, vous êtes allé à Douala. Qu'est-ce qui On vous est a allé le au... plus Bon, hormis, il marqué? faut quand même le rappeler, hein, on a une pensée pour les otages qui ont été enlevés au Cameroun, Et hormis cet pendant que vous événement, y étiez pendant d'ailleurs. qu'on y était, et on Voilà. avait prévu d'ailleurs d'aller dans le nord, ça a retardé notre programme à ce Ah. niveau-là, on a annulé. Hormis cet épisode négatif, tout s'est très bien passé, donc on a été à Bafoussam, donc à l'ouest, Banjoun aussi. On a visité la chefferie avec tout ce que ça comporte. Ah oui. On est allé à Douala. Douala, ça a été très court parce que Douala, On c'est vous une ville, a ville à la ville. laissé quand même filmer la chefferie? Parce Oui, qu'apparemment, oui, les oui. chefferies sont devenues beaucoup plus ouvertes à l'ouest C'est maintenant. ouvert. Bon, après, il faut savoir qu'il y a quand même un droit de passage à Ah. payer. Ah, Donc, d'accord. oui, pour filmer en tout cas. C'est Quand costaud. on a du matériel, non, c'est raisonnable. De toute façon, on a, D'accord. par appareil et par caméra, il y a un droit de payer. Normalement, j'ai trouvé que c'était normal. Il faut C'est bien plutôt entretenir. touristique ou parce que nous, vu de loin, on croyait quand même que c'est. C'est assez touristique quand même. Hein. Il faut Ah. savoir qu'ils ont une petite galerie, ils ont un musée. Donc, bon, Vous étiez où à exactement? Banjoun. À Banjoun, Donc, on a fait qui est pas loin Bafoussam. de c'est loin, c'est pas loin de C'est pas loin de Bafoussam. Bafoussam, c'est à, je dirais, 20 minutes environ. Hein. À peu près ouais, Ok. entre 20 et 25 minutes de Bafoussam. Non, D'accord. non, pas du tout. C'est très touristique et ben, c'est beau. Il y a un patrimoine quand même qui est conservé depuis plus de 500, 501, hein, je crois. Et puis voilà, c'était très bien. Bon, les Parce images qu'on sont vous pas reçoit allées. quand même après, hein, Oui, on est le reçu. chef, On peut bon. voir le chef si on en veut. C'est folklorique parce qu'il y a toujours beaucoup de femmes devant la chefferie, Ah, des d'accord. mères et tout, qui viennent exposer les problèmes et bien présenter leurs filles et tout. Machin, Ah, c'était d'accord. assez drôle. Ils nous ont demandé, vous n'avez pas une jeune fille à présenter au chef? Ah, pour les marier au chef comme ça. Éventuellement. Alors, c'était un peu cocasse, mais bon, c'était très bon enfant, une très bonne ambiance. On a vraiment été très bien accueillis dans ce peuple, Bamdéke, parce qu'il est vaste, hein, on n'a pas Et le une. chef, toi, tu étais accompagné de ton mari blanc. Le Bien chef ne sûr. lui a pas proposé aussi Non. une deuxième épouse. Je crois qu'il m'aimait bien ce chef, donc il n'a pas osé me mettre en danger. Il n'a pas osé me mettre en danger, non, non. Et puis c'est un chef moderne, donc il est jeune, et je pense, il passe Ah son temps, oui. il voyage beaucoup, il est souvent en Europe. C'est vrai que les chefs sont devenus beaucoup plus jeunes. Hein. D'ailleurs, d'une De façon, plus en plus, oui. ce sont vraiment des Des intellectuels, d'ailleurs, qui ont ces intellectuels, postes-là oui, tout maintenant. à Hein. fait. On vient des fois les chercher ici pendant qu'ils sont en train de faire leurs études Ouais. pour aller faire les successions. Bon, mais bon, ça va, il est très moderne, on a pas mal un peu rigolé Ouais, et c'était ouais. sympa. Ah ouais. Il faut voir que les Bamileke, hein, dans l'ouest Cameroun, c'est vraiment un côté où la tradition Est très très implanté, est hein. très implantée. Ça, franchement, c'est surtout question de chefferie. C'est vraiment. Hein, Je je pense, crois que oui, je. tout à fait. Il y en a qui essaient justement d'apporter ce côté moderne par rapport à ce qu'ils ont appris dans les institutions, à l'école et à la société d'aujourd'hui. Mais ils sont toujours enclins à faire vivre les traditions dont ils ont hérité. Et puis, bon, moi, je peux dire que c'est ce qui m'a vraiment marqué au pays Bamileke, c'est ce côté très, 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 très traditionnel à tous les niveaux. Toi, tu es camerounaise, bon, tu n'es pas Bamileke, tu n'es pas de l'ouest, mais c'était la première fois que tu y allais comme ça? À l'ouest que je visitais vraiment, oui, Ouais. j'étais déjà allée, mais en passant juste parce que pour aller dans des destinations un peu plus profondes, mais que j'allais vraiment comme ça en m'imprégnant des cultures, oui, c'était la première fois vraiment. Est-ce que tu as l'impression que quand on est au Cameroun, comme ça a dû être ton cas, quand on est au Cameroun et quand on visite son pays, on n'a pas le même regard que celui que lorsqu'on est déjà parti à l'étranger, quand on revient? C'est vrai, on n'a pas le même regard. Il est vrai que même en étant au Cameroun et en découvrant justement les provinces camerounaises, j'avais l'impression de découvrir quelque chose de nouveau, un pays carrément différent. Mais le recul est encore plus grand quand on a mis 6 000 km entre nous et le Cameroun. Et c'est vrai que même Yaoundé, juste quand tu vois l'avancée des travaux, des routes un peu plus, la propreté qui a un peu. C'est vraiment, c'est impressionnant, oui. On redécouvre vraiment. Kribi, pareil, quand on est allé à Kribi, une redécouverte de cette baie magique. Absolument. À peine arrivé, vous êtes déjà À sur le fond, bien terrain, à sûr, fond le bien sûr. terrain. Déjà avec la soirée de ben, samedi dernier, hein, Ah où nous oui. saluons encore le professionnalisme et puis la grandeur de Doris,
qui nous a régalé avec cette soirée en l'honneur des femmes. Ah oui, Bravo c'était à elle. vraiment, vraiment, parce que quand on voit cette grande dame là, oh là là, ça faisait vraiment, même si tu n'avais plus ta maman, mais tu as envie de la voir comme maman. Chaud au Hein. cœur, absolument. Non, Hein, non, donc, elle était une vraie mère formidable. poule, hein, une vraie mère poule qui s'occupe de tous les poussins Le qu'elle a manga. autour d'elle, oui. Et puis, bon, et Arlette, Arlette et Yaya, ça t'as mis le dégage, hein? feu, hein? Attention! Hein? Alors, enlève le haut, le bas, et puis bon, Qu'est-ce qui hein? reste? Hein? Qu'est-ce qui reste, Je hein? pense qu'elle a remis la barre encore plus haute que l'année dernière et le public toulousain n'arrête pas d'en parler. Ah oui, ça c'est clair. Bien. Alors, bon, ben, on était au Cameroun. Alors, c'est vrai que votre mari, il faut que les gens le comprennent. On ne vous voit pas, on n'est pas en télévision, Oui. mais il est en train de filmer notre émission Oui. qui va passer. Mais tu peux parler quand même à... Alors, lui qui allait au Cameroun fouler le pied au Le Cameroun pour la première territoire fois, la qu'est-ce première qui t'a fois. sifflé à l'oreille qu'il a d'abord le plus ému? La chaleur. Déjà. La chaleur a été difficile pour lui. La poussière. La circulation anarchique, voilà. Il se cramponnait comme ça quand on voulait. Voilà, ce sont des choses. Après, il a trouvé quand même que les Camerounais n'étaient. Il nous dira ça un de ces quatre. Voilà, il Tiens, faudra qu'à un moment donné, il se on va mette l'enlever devant ce le... micro, voilà, On va l'enlever la devant sa camarade. caméra, voilà, qui nous Ok. raconte un peu son expérience camerounaise. Mais ce qui est intéressant et à retenir, c'est qu'il est prêt à retourner. Donc, c'est très bien. Ah, ça y est, ça y Et est. ça y est, Ça y est, il il est a déjà. adopté. Il a adopté le Cameroun et les Camerounais l'ont adopté aussi. Ah, d'accord, ça c'est de toutes les façons. Il est tellement gentil que. Et comme les Camerounais le sont aussi quand on est gentil Oui, avec eux, absolument. hein. Ok. Il est 15h55 minutes. Bien. Alors, on va tout simplement se dire un petit au revoir. Mais Oui, pour sinon, si tu bientôt avais quelque revenir. chose à dire, peut-être spécialement pour X ou Y, je sais pas, X Maléa, je X sais pas. Maléa, ouais, parlons de X donc. Oui, on va rester sur X Maléa qui est très attendu à Toulouse. Nous sommes tous partenaires de cet événement. J'ai envie de dire, on va encourager une nouvelle association qui se Tout à crée fait, tout à fait. de la diaspora. Donc, encourageons de notre manière comme on peut. Je donne rendez-vous à tout le monde le 6 avril 2013. Les infos circuleront sur nougatartistique.com, sur le Tout à fait. Facebook de Nougat Artistique aussi. Et puis, bien sûr, Radio Occitania, les billets pour faire gagner certains auditeurs. Tout à fait. Et de toutes les façons, je crois que beaucoup d'entre nous pourront éventuellement s'entier et faire un peu comme cette association, parce que il faut se dire qu'on nous attend beaucoup de l'autre côté du Oh, pays. de l'autre côté, voilà, il y a beaucoup Peu de ici, ça misère, hein, fait de grand là-bas. pauvreté, absolument. Ils ont Ok. besoin et un petit crayon, un stylo, des cahiers. Elle a vraiment envie de faire des collectes de ce type et pour apporter à ces écoles-là qui ont besoin. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est ainsi que va s'achever cette émission, non sans vous avoir dit que le sourire, il ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son sourire, son souvenir peut durer toute une vie. Personne n'est riche au point de pouvoir s'en passer. Il ne peut être acheté, mendié, emprunté, ni volé. Un sourire rend du courage au plus découragé. Il est le signe sensible de l'amitié. Alors nous, pour se séparer, on sourit. C'est ainsi que s'achève cette émission qui vous aura été présentée par Zachary l'Africain dans vos oreilles, Alpha Sanda, à la régie d'antenne avec bien sûr Nougé Émilie de Nougé Artistique et sans oublier Nicolas. Nicolas derrière la caméra. Bye bye et à Bye samedi bye. À prochain. samedi. Ciao. Yeah.